Merci d'être venus assister à la finale de cette 8e édition du prix Philippe Séguin. Et ce soir, les finalistes, ces survivants du Koh-Lanta de l'éloquence, s'exprimeront sur des répliques de théâtre. Et on va passer au premier candidat. Il s'appelle Nicolas Cyrano. Je pense à ces personnages. Ces personnages qui se sont fait piéger par des Figaro rusés, alors qu'ils pensaient au début avoir passé un beau marché. Je pense à ces femmes croyant épouser un merveilleux Roméo, s'aperçoivent des années trop tard de ce que leur mari vaut. La soirée peut commencer quand Cyrano fait du Cyrano. Comment Jésus, Louis XVI et Karim Benzema, si ce n'est d'avoir permis à leurs dépens de mettre tout un peuple d'accord. Car la vérité, c'est relatif. La vérité, la vraie, ça n'intéresse personne. Ils veulent juste un coupable idéal. Un bon bouc émissaire, ça vous fédère une nation. Faites comme Benigni, qui voit en rose ce qui ne l'est pas, parce que la vie est belle. Mettez des nez rouges sur des blouses blanches. Et face au clairon des pleureuses, sonnez enfin l'adieu aux larmes. Si le rire est la politesse du désespoir, alors moi, je suis la baronne de Rothschild de l'humour. Je suis un aristocrate du bon mot. Cet ami vous parle, se confie. Il vous explique à quel point il est difficile de vivre à Saint-Germain-des-Prés et de voter Benoît Hamon. C'est vrai, oui, c'est vrai. Vous écoutez, vous acquiescez d'abord lentement, puis de plus en plus vite, avec la bouche légèrement pincée et vos yeux un petit peu plissés, oui. Vous lui donnez raison, vous lui dites « Oui, tu as raison, résistons !» Aujourd'hui, pour vous, Gabriel, ce serait plus simple de mettre le maillot du PSG à l'OM ou le maillot de l'OM au PSG ? Bah, vous savez, il y en a qui s'attachent à des maillots, moi je m'attache à des victoires. Donc je dirais une Champions League à zéro. Moi-même, lorsque j'ai gagné la capitale après une avance provinciale dans la ville de Douai, dans le Nord, véritable 8e merveille du monde, le choc a été difficile à vivre. Entre une rupture avec l'espace familial, avec un ami vital et un éloignement conjugal, je débarquais dans la ville lumière sans la voir moi-même à tous les étages. À défaut de connaître Engels, je savais tout des Engels de la télé-réalité. Le troisième prix est attribué à... Je vais pas faire l'erreur de Price comme aux Oscars. Je veux lire. Benjamin Duhamel. Le deuxième prix pour ce prix Philippe Séguin 2017... est remis à Madame Fatoumata Diallo. Celui qui est le vainqueur aujourd'hui, Nicolas.